Christine and the Queens n'est pas un groupe. C'est un nom de groupe, mais le projet est d'abord un projet solo. On habille toujours avec, par exemple, un vestiaire un peu masculin, des costumes assez neutres. Et c'est une manière d'annuler pour moi un peu le genre aussi féminin que je peux avoir, pour proposer plutôt une énergie, un personnage de scène, plus que une jeune chanteuse. C'est à ma façon, si je ne veux pas être une grande fille, je serai petit garçon. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer vraiment, voilà, une démarche artistique, un propos, un personnage et une liberté. Je pense pas que ce soit anodin qu'on ait choisi Nantes pour cette sortie d'album. Ouais, c'est comme jouer à domicile finalement. Enfin, je pense que le jour de la sortie d'un album, c'est toujours un petit peu lourd de sens et d'émotion, donc c'est pas mal de revenir sur place. Thank you.